Et c'est reparti pour le live. J'espère que vous allez bien, tout comme moi, ça va nickel. Alors attendez, je change juste le nom du et je suis un je change juste le nom du live. J'arrive. Salut. Oh, deux personnes qui sont là. Je suis désolé, je prends. Je suis juste un gros galérien juste pour faire un titre. Je m'énerve moi-même. Voilà. Pourquoi? D'accord. Ok, nickel. Du coup, bah, j'ai envie de dire, c'est reparti pour ce live. Ok, c'est bon, c'est reparti. Merde. Ah oui, voilà, on était là. Au moment où lui s'en réveille ou sort de sa cachette, c'est pas trop. D'accord, on se casse. Allez, espèce de petit connard, vas-y. Ah, ça va. Tu peux le faire. Il est violent avec lui-même. Hein. Non, mais frère, reste dans le bateau. Allez, reste dans le bateau. Non, mais franchement, le bateau c'est bien. Hein? On est tous d'accord. Le bateau c'est bien. C'est mieux. Du coup, alors là, on est parti par l'autre côté, c'est-à-dire je suis parti par l'inverse de là où on était parti, mais je crois que voilà, ils vont me bloquer. Ah non, la porte, la porte. Si elle est bloquée, je rigole. Je rigole fort. Je rigole très fort. Bon, bah, du coup, évidemment, voilà, le scénario nous oblige à aller de l'autre côté. Bien, Néo, tout va bien se passer, hein. Voilà, hein. Bon, de l'autre côté, ça sert à rien, il y a un trou. Il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors. Ok, c'est une fiche de personne, je pense que t'es à bord, un truc comme ça. Ah non, je crois que c'était. Oh, c'est pas très important. Et ben on va repartir sur le bateau. Le bateau c'est bien, on se barre sans eux, on s'en fout, hein, on se casse. On se casse. Alors, moi j'ai envie de dire, t'as pas le droit de faire ça. Vous avez pas le droit de crier, y a aucun intérêt.
Qui est là? Ça annonce rien de bon, ça. Ah, tu crois? Ah non, moi je crois que ça annonce un truc super bien. On est dans le monde des bisounours aussi. Oui, je parle beaucoup. Très bien. J'essaie de pas trop parler. En tout cas, c'est... Bah, je sais pas ce qui lui est arrivé, lui, mais... il est accroché au plafond, hein. Et par contre, il est pas accroché à la vie. Cette blague était nulle. Ok, bon, c'est vrai. Bon, là, on remarque que c'est le bracelet qu'elle a perdu. C'est le bracelet de Julia ? Julia, tout à fait. Ils étaient là ? Ok. Tu veux qu'ils soient où ? T'es sorti de ta cachette, il y avait plus personne. Alors, à part s'ils sont sautés sous l'eau et sont noyés, l'autre possibilité, c'est qu'ils sont dans le bateau. Enfin, tout le gros bateau, pas les petits bateaux. Bon, bah, c'est de l'autre côté. Logiquement, je reviens sur mes pas, mais genre, là, il devrait rien avoir. Alors, à partir de ce moment-là, il pourra avoir des trucs. Quand on est dans une nouvelle zone. Pfff, j'ai pas envie. Alors, soit je peux descendre, soit je peux aller tout droit. La porte doit fermer. Ah non. Non, elle est ouverte. Ouais, mais on peut aller en bas. Bah, en bas, hein. Oh, j'aime pas ça, là. Je me prépare à faire un QTR au cas où. Un peu trop de fumée à mon goût. Il y a une petite porte, là. Hey, tu crois que je l'ai pas vue? J'espère qu'il n'y a pas de screamer. J'espère beaucoup. Ok, ça, ça va. Je sais pas pourquoi je passe par là, parce qu'en fait, c'est juste parce que c'était à la limite, tu vois, un peu caché. Ah. Oh merde, mais c'est pas vrai. Ah, c'est quoi ça encore? Je te jure, c'est vrai. Non, mais j'en ai marre de fouiller des cadavres, là. On pourrait pas les laisser en paix. D'accord, c'est juste regarder. Pourquoi on regarde ça, vraiment? Locker room. Bah vas-y, go. Je suis passé que par des chemins pas très évidents. Hein. Genre, je pourrais aller dans des chemins beaucoup plus évidents que ça. Oh merde! Pourquoi c'est une cinématique? Oh, je sens le truc de la course. Parfait, c'est super. Non, mais j'ai pas envie en fait. Ah, super. Mais cours! Lutsu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah oh, merde. Ta maman la gentille. Frère, retourne en arrière. Je vais vraiment le rouvrir si je me reprends le screamer, je rigole, d'accord? C'est un... C'est pas... Ouais, bah c'est un casque, quoi. Hein. Vive les hallucinations. Ah, je viens de... D'où je viens de changer? Qu'est-ce que je viens de changer? C'est quoi? Il va y avoir une attaque nucléaire, du coup le casque... Ah, d'accord, j'ai vraiment pris le casque. Pas quoi il va nous servir, mais... Les douches. Franchement, il n'y a pas d'autre issue, ça sert à rien de les regarder. Ça, c'est pas une prémonition. Non, sinon ça m'aurait... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'ai pas envie de savoir. Frérot, j'ai pas envie de savoir. Ouh, j'en ai marre. Je vais faire une crise cardiaque avant. Je vais pas loin. Oui. Ils sont pas loin. Bah ouais, bah du coup on va aller à l'inverse. Hein. Bon, je sais, il faut pas faire demi-tour. Mais je regarde vite tout ce qu'il y a un peu là. Une feuille. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que ça, c'est une feuille blanche, frère. Formulaire de demande de matériel. D'accord. Très peu utile, pour le coup. J'aime pas ce que je suis en train de voir. D'accord, là, encore un truc. Masque à gaz. On dirait... Ah, attends. Qu'est-ce que t'as à dire? On dirait... Développe. D'accord, alors je crois que... Peut-être qu'ils sont par là. Pourquoi tu veux regarder en haut? Pourquoi? Ouf, je respire. Screamer. Dans 3,
Il me faut un truc pour grimper là-haut. 1. Et un pas de screamer, mais là il va en avoir un là, 2, 3. 2. C'est une angoisse permanente ce jeu, c'est fou. Bon, comme pas mal de jeux d'horreur, tu me diras, c'est un peu le principe, mais. Ah oui, merde. Je vais faire mon dédié, quoi. Je sais jamais où le joystick. Super, ça fait combien de temps que t'es sur une PS? Si on compte la PS3, ça donne 10 ans. Même plus d'ailleurs. T'es toujours pas capable de prendre le bon joystick en R. Pourquoi je passe que dans les chemins pas évidents? Je pourrais pas aller tout droit comme tout le monde. On est où là? Pourquoi tu me montres directement là et pas là? Parce que là c'est un cul-de-sac. Oui, c'est logique. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alex? Pourquoi il y a un bruit? Y'a que moi qui a eu. T'as entendu un petit bruit là? Non, mais je vais crever, mais je vais canner, Franchement, le titre du live porte bien son nom. Hein. Pourquoi je m'en fie? Oh! Une prémonition. Vas-y, go. Qu'est-ce que tu nous réserves? Un hélico, bon signe, bon signe. Un hélico, il faut qu'on prenne les. Ah, ça peut être des méchants, vrai, mais franchement, je suis prêt à prendre le risque. S'il faut, si ce qu'il faut. Et ça a l'air d'un hélico, je pense que les gars qui nous ont kidnappé, un peu comme des pirates, on va dire, je pense franchement qu'ils ont pas, ils ont pas un hélico pour eux. Ça paraît plus un hélico, tu vois, d'une agence, du style marine. Ah non, ça, non, ça aurait été jaune et orange. Pourquoi jaune et orange? Pourquoi je dis ça? Ça, c'est des trucs de pompiers, je crois, quand il y a un feu et qu'ils se déplacent en hélico. Pourquoi tu regardes de. Non, mais. J'aime pas cet endroit. Non, mais. Ok, pourquoi tu me dis qu'il faut que j'aille voir? Genre là, tu m'as mis devant des le truc évident. Des squelettes. Frère, on est dans un bateau. Et votre peau, les gars. Qui. Elle est partie où? La peau, elle est partie où? Bah, elle s'est décomposée. Vous êtes pas censé être là. Et je devrais pas voir ça. Frère, c'est un bateau abandonné depuis un bon moment, quoi. Hein. Par conséquence. Oh oui, oh, heureusement que je suis revenu sur mes pas. Parce qu'à mon avis, ça va nous être utile. Ça, tu le gardes. Vas-y, frérot. Voilà, et on prend tous les outils. Nous, on est fort. Nous, on est fort avec. Comment tu t'appelles, toi? Prad. il est fort, Brad. Il est fort. On va être plus fort que tous les autres, là. Il y a eu une histoire de bagarre. De bagarre, il y en a un autre qui est pendu. Hein. Ça veut dire qu'à mon avis, lui, il s'est pendu tout seul. Alors, bagarre, je sais pas trop, hein. Nous avons pu capter des messages en direct jusqu'à 1h40. Cependant, nous n'avons plus reçu aucun message après 7h. Il est possible que notre équipement soit défectueux. Je vais procéder à des vérifications. Ok. Très intact la feuille, hein, comparé au corps du mec. Alors, on arrive. Descendre dans l'eau. C'est de l'eau, on est. Alex? Non. Julia? Oh, jamais de la vie! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Pourquoi tu fais ça? C'est bon, c'était une hallucination, non mais. Oh, super, je viens de perdre tous mes. Ah, mais je croyais que j'allais devoir faire des QTR pour m'en sortir, bon, au final, non. T'as paniqué trop vite. Non, parce que moi j'ai l'habitude maintenant, tu vois les trucs qui bougent. Ah, on retourne sur toi, fils. Qu'est-ce qui se passe, fils? Je sais plus qu'est-ce qui se passe. Ah, on a été enfermé, c'est ça. Enfermé avec quelqu'un? Ah non, enfermé tout seul, d'accord. Cool. Pourquoi après il y avait une croix et. C'est ça, c'est juste pour vérifier que c'est bien fermé. J'ai entendu des pas juste après. Mais c'est le fantôme de Brad. C'est le fantôme de Brad, ça.
Une balle. Une balle. Bon. Ce fantôme, t'es gentil? Si t'es gentil, moi je m'en fous que tu sois un fantôme, un mort vivant, un vampire. Toi que tu es gentil avec moi. Alors ça c'est pas gentil, tu vois par exemple. Oh putain. J'ai failli louper l'ance. Ah. Pas sûr. Je suis prêt. Non, putain. J'ai dit que j'étais prêt, j'ai du mal. Il se passe quoi là? Lâchez-moi. Hallucination un peu quand même. Ah bah c'était bien Brad hein, mais en mauvais état hein. Le Brad doux il a pris cher. Non mais faut peut-être regarder la pièce où t'es avant de t'enfermer. Il y a un truc qui cloche. Oh, je sens la merde là. Oh, ça pue la merde. Parce que là, ok, la pièce est en mode waouh, la pièce est grave belle, elle est entretenue. Non. C'est encore une Aline. Ah, bah super. Bah voilà, je vous avais dit qu'il y a un truc qui cloche. Regardez. Il y a des squelettes et une croix. Bah, un truc du diable là. Venir comme moi je dis, voilà. Ah, et du sang. Diable. Enchanté. On va quoi? On va l'invoquer? Alors, moi je voudrais bien appeler le diable juste pour m'en sortir. On fait un petit pacte. Je sais pas, je te laisse tuer tous mes potes. Et en échange, je me casse. Non, ça va pas. Dommage. Qu'est-ce que c'est? C'est fou, c'est tout propre, c'est machin. Et au milieu de ça, il y a plein de trucs bizarres de style là, genre des bouquins. Oh, du bouquin, à mon avis, pas littéralement pas très catholique. Hein. Là, je crois qu'on est sur du littéral. Hein. La cabale, oui, j'ai bien lu, la cabale, doit silencieusement se réunir. Et que 5 membres sont de corps et d'esprit, 3 femmes et 2 hommes, premier-né, le visage encapuchonné. Emportant pour le sorcier et... Oh, mon frère, j'étais prêt à lire un truc à des gamins. Sauf que là, si je disais ça à des gamins, ils auraient fait des cauchemars. Comme là, moi, je vais faire toute la soirée. Parce que j'ai peur. Ah, j'avais pas remarqué les pieds. Ah, regardez, il y a plusieurs marques de pieds là. Et qui se rejoignent ici. Du coup, il y aura un truc quand j'arrivais ici. Toujours pas. Ah. Allez, Fliss, garde la tête froide. Doudou, tout, tu changes de caméra. Vous savez très bien que c'est la pire idée de faire ce que je vais faire. Mais, ah bah on peut pas. C'est dommage, j'aurais une possibilité de screamer quand même assez fort. Hein. Oh, ils ont manqué le coche quand même. Bon, après j'aurais dit que c'était trop cliché, que c'était gratuit. C'est vrai. Oh, non, bah je crois que si c'est... Attends, tu me prends pour qui toi? Je l'ai vu celle-là. Oh, ça. Ils sont dans l'eau, d'accord. Ils ont sauté dans l'eau et on a un qui a l'air d'être pris au piège par un truc. Qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Bon. J'avais une qu'il faut que j'active. Je pense que ça va être le rideau, non? C'est malheureusement ça. Du coup, peut-être que j'ai parlé un petit peu trop vite sur le fait que ça serait le coche de mettre un truc derrière. Ok, j'ai parlé trop vite. On peut rester. Non, tu veux pas rester là? D'accord. Bon, bah, c'est trop bizarre. oui, c'est trop bizarre. Et, je crois que... Y'a plus besoin de le dire. Je crois que c'est vrai pour être toute seule, tu vois. Alors, on peut s'enfuir directement par la porte. On n'est pas obligé de l'ouvrir. Le problème, c'est que je suis une flippette. Je sais que je vais avoir perçu tout ça. Alors, il faudra pas que je l'ouvre. Mais comme je suis curieux, j'ai envie de l'ouvrir. Alors, je vais l'ouvrir. Je devrais pas. Il y a un truc qui va sortir. Ah, là, ça va. J'ai eu un petit sursaut, limite, mais ça va. Comme je m'y attendais quand même vachement, genre, c'était évident, quoi. S'ils auraient rien mis, ça aurait été bizarre. Bah, la dernière fois qu'ils avaient rien mis, il y a eu un screamer juste après. Parce qu'ils nous ont bien calmés avec un petit rat qui se lichait, et juste après, un screamer. Ah, on est à l'extérieur. Bah, saute.
Bon, après, on a vu que c'était la merde. Mais c'était pas toi. C'était pas toi qu'on a vu. Après, je me sens plus de sécurité là. C'est-à-dire que je sais que s'il y a une merde, tu peux sauter, tu vois. Même si c'est la merde de sauter. Oh, tu peux. Ah, c'est fermé derrière toi. Pourquoi t'es rentré? Hein? C'était par là qu'on était rentré, hein. Bah, y avait bien un cercueil, mais il était plus classe, hein. Je crois que je sais pas ce que t'as fumé ou ce qu'il fait, hein. Mais ça devait être puissant, il faudrait que tu me dises ce que c'était, hein. Ouais, bah là, je devine qu'on va avoir. Pourquoi j'ai cru que c'était une scène? Parce que c'est pas comme si on avait été un peu remonté dans le passé, entre guillemets, dans le sens où c'était une représentation du passé. Bah non, parce que vraiment là, c'était pas un rideau, c'est vraiment une porte métallique. Hein. Parce que juste après, là, c'était pas une scène. Hein. Non, il y avait pas des tables pour le resto. J'ai vraiment pris le chemin le plus long. Attends. J'ai envie d'aller vers là-bas. Parce que là, il y avait une prémonition. Est-ce qu'elle y est toujours? Voilà, elle est toujours. Mais est-ce qu'elle a changé? Parce que tout a changé. Ça se trouve, elle a pas du tout changé, mais j'ai envie de regarder au cas où. Ah, bon, bah apparemment, on l'a débloqué. Ça veut dire que c'est bon, c'est toujours la même. Est-ce que je peux refermer ça? Non, mais juste. Non, d'accord. Aucune possibilité de gameplay. C'est honteux. C'est honteux, tout à fait. Attends, on est où là? Je vois qu'en fait, il y a des trucs au-dessus pour marcher en fait. Ah, mais c'était pas le livre de tout à l'heure. Bon. Il était plus effrayant dans nos rêves. Bon, on doit aller où là? Il paraît assez neuf, hein. Genre l'étiquette, elle est tellement neuve comparée à tout le reste. Oh mon dieu. Pourquoi une sauvegarde? Alors déjà, sachez-le, quand il y a une sauvegarde comme ça, là, c'est pas bon signe. Je t'ai vu. Ah mais c'est quand l'autre s'est cassé la gueule. Bah ça y ressemble en tout cas, cette scène-là. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi t'as mis ton masque? Hey. Sur la scène, t'avais pas le masque. Hein. C'est un peu mon tort. Comment tu m'as trouvé? Je crois que l'idée que j'ai eue de me planquer était carrément futée. Indignation, je t'ai planté. C'était bien joué. Bon, vas-y. Ouais, ça, c'était plutôt bien joué. Maintenant, ils savent plus combien on est. Mm-hmm. C'est quoi ce masque à gaz? Je l'ai trouvé dans un des casiers. Je me suis dit que ça pourrait servir. Servir à quoi? Mais on ferait mieux d'y aller. Ah, tu veux remonter, après ce que t'as vu là-haut. D'accord. Illogique. Oui, je remonte après le micro. Ok. Et ben là, je crois qu'on peut dire qu'on est clairement perdu. Clairement perdu? Un grand bateau peut avoir plein de couloirs. Je crois qu'on va devoir tous les explorer jusqu'à ce qu'on trouve une sortie. T'avais une sortie, t'aurais sauté dans le haut, c'est fini. Mais non. Jamais la solution. Wow. C'est pas vraiment le genre de truc rassurant sur un bateau. Il va couler en fait. En fait, on est en train de couler. Waouh, pourquoi tu me mets ce plan là? Ça pue le screamer, ça pue le screamer. D'où de grimper. Ok, on va grimper. Sacré corniche. Hé, hey, Brad, viens par là. Wow. Peut-être là-haut. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas. Je crois que c'est l'arbre de transmission. T'es prête? Ouais. Oh, j'ai entendu un truc au-dessus. À part si c'est eux sur les plaques. Je reviens toujours pas qu'ils sont pieds nus sur un bateau comme ça. Quoi.
comme ils ont fait pour pas se couper depuis le début, hein, expliquez-moi. Dis-moi comment t'as tapé tes chaussures, je veux dire, t'as eu le temps, quoi. Mais t'as pris tes chaussures, ça va. Non ? Attends. J'ai envie de voir. Il est pieds nus, le con. Refermer, est-ce que je referme ? Parce qu'en vrai, c'est une porte de sortie, hein. Non, c'était descendre. Ah non, c'est juste regarder, c'est pas le même endroit. D'accord, c'est pas de là où on vient. Ok, je croyais que c'était de là où on venait. Ok. Bah, c'est une porte de sortie à te retenir, j'ai envie de te dire. Parce qu'ils sont pas vraiment bons, parce que quand tu... Une pelle. J'espérais que ça pourrait nous être utile, mais là, c'est pas gagné. Bah si, tu peux planter quelqu'un avec, regarde comment c'est rouillé, là. Oh, oh bah ouais. Ça a l'air bon, je devine qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus, à part peut-être regarder ce truc-là. Oh merde. C'est super haut. Ouais, l'échelle est pétée. Mauvais signe. Tu crois, Sherlock ? Trop aimable. Bon, bah on va essayer de regarder ça. Non. Par là, ça sert à rien. Oh, faut revenir en arrière. Super. Tout ça pour ça. Eh. Tu vas me dire qu'il faut sauter, c'est ça ? Non, mais c'est bon, tu me la fais pas à moi. Hé, hey Brad, regarde ça. Ils ont pas c'est mal. C'est l'échelle. C'est peut-être ça la solution. Derrière. On tire à derrière la porte paille. C'est qui ce. J'y vais. Vas-y. Vas-y. Non. J'y vais. J'y vais. Mais c'est qui okay. Le monsieur derrière nous, après là toi. Y a pas que moi qui l'ai vu. Genre, ça faisait un peu le monsieur qui nous raconte les histoires. C'est peut-être un historique plus qu'un Est-ce truc pour nous faire peur. Ouais, et de ton côté. Bah, ça aussi. Ça va être super utile. On vous séparait pas. Et merde. Ça va aller. Il doit y avoir une sortie. Je vais voir si je trouve quelque chose. Non. Mais vous séparez pas les frères, non mais. Oh, l'intelligence, vous connaissez. Ok, alors, bienvenue dans le monde des clichés. Tout d'abord, tous les persos se séparent. Bon, ça avait déjà été coché, et là, ils se re-re-séparent. Ah merde. What the fuck. Ah. Oui, bah ça, on avait compris, frère. On l'a trouvé. Sertan, dépêche, défonce la grille, il y a l'eau qui monte. Bon, après, ça va lui permettre de plus facilement. Mais la pelle. Oh mon dieu. Mais de toute façon, j'avais pas vraiment d'autre choix, genre j'aurais pu faire quoi d'autre. La pelle. Non, mais laissez-moi la chance de pouvoir la sauver, là. Ah, heureusement que j'ai vu celle-là. Vas-y, frère. Force la serrure. Fais-moi sortir de là. Allez, force la serrure. Allez, frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'attends? Retiens ton apnée, t'es fort. Non, me dis pas que je viens de la condamner. Non. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça veut dire que j'aurais dit autre chose, ça aurait été bon? Il y avait d'autres possibilités. Non, mais il va pas se noyer lui non plus. Frère, non. Tu ne vois pas. Ah oui, l'échelle. Putain, je viens de perdre Fliss. J'adorais Fliss. Je viens de perdre Fliss. Mais comment? Mais j'avais pas qu'il y avait d'autres possibilités.
Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, merde. Oh non. Ah non, par contre, je suis premier degré dégoûté. Ah oui, non, mais mettez pas ce plan là non plus. Ah, ça c'est pour bien appuyer le fond, ça. Quoi, elle veut nous dire à ressusciter ? Voilà, merci, Pauch. Oh non, c'est dégoûtant. Mais comment est-ce que je... Tu crois que c'était lui qui aurait descendu, ça aurait changé quelque chose ? Bah oui, parce que c'était marqué que ça a changé quelque chose, le fait que c'est la personne qui est descendue. Oh, mon dieu. Il y a quelqu'un là à vous. Pourquoi c'est méchant ? Oui, ah oui, c'est la base, c'est là. Je crois connaître la scène. Bah frère, essaie de remonter. Où on est là? Pourquoi on est rue dans l'épave, cette épave là? Faut sortir. Faut sortir le plus vite possible parce que. Alors on en parle quand même, hein. Genre elle peut rester super longtemps sous l'eau, par contre l'autre, elle résiste pas du tout. Bon, on va pas rester 3 heures non plus. Ah ouf. Stop, il va se noyer, continue. Stop, il va se noyer. Non, non, non. Je vais pas en perdre un deuxième, sachez-le. Ah, je vais voir, Momo, elle va se faire choper. Faut que ce soit elle qui monte en premier. Elle! Frère, c'est ta meuf, sauve ta meuf. C'est ta... Mais... Plus rapide. Plus rapide, écarte de l'eau. Est-ce que ça va? Il est où l'autre? Il est où? Merci. C'était moi une. Il faut qu'on se tire. Mais il est où l'autre? Toujours dans quoi? Merde! Bah précisément là. Quoi là? Attends. Ah, c'est quoi le truc qui est sorti? Mais c'était lui. Bah attends, pas lui, lui, mais lui, le mec. Attends. Oh. Ça regarde pas mon sang. Un fantôme un peu. Oh punaise, j'ai cru que j'allais le rater. Il fallait rater sur le haut. Hein. Sur le haut. Il est passé au-dessus. Ça veut dire quoi? Tout est terminé? Courir, sauter. Courir. Je sais pas, je sais pas une solution. Stop!
Mais pas toi. Je les laisserai pas mourir, sachez-le. On vient d'en perdre une déjà, putain. Oh. J'ai été lent à la détente là par contre. Oh putain, c'est pas vrai. Il est parti. Non. Faut qu'on aille se mettre à l'abri. Ok, bon. On est trois, il en manque un. Bah non, parce que lui s'est barré en bateau. Ça veut dire qu'il peut revenir à bateau à tout moment. Ok. On y croit. Tout va bien? Je pense. Ouais, je crois que c'est une bonne planque ici. Tout va bien? Fliss est mort. Bon, écoute. Fliss est... Ah bah voilà. On était coincés dans une des cales et... Allez, vas-y. Il s'est passé quoi? L'eau montait tellement vite, je vous jure. J'ai essayé de la sauver, mais... J'ai pas réussi. Oh non. C'est horrible. Non, pas pour le groupe d'amis, c'est la moins importante pour eux, parce que forcément, ils la connaissent juste parce qu'elle conduisait le bateau, et qu'entre eux, il y en a un, bah, ils sont en couple. Il y en a deux bah, qui sont couple entre eux, et après, il y a les frères et sœurs, les deux frères de chaque côté. D'ailleurs, forcément, il y aurait eu beaucoup plus d'émotions si ça aurait été eux. Mister Psychologie, bonjour. Non, mais du coup, c'est en soi la moins importante à perdre, mais... De mon point de vue personnel, c'était la plus importante. Parce que vraiment... Bah, c'est conduire un bateau, première épreuve. Pourquoi on l'a perdu? Oh, bonjour. Bonjour, tu vas... On dirait que les choses ont pris une tournure plus spirituelle. Vous ne trouvez pas? Pas forcément. Une première victime. Comment ça, une première? C'est une première, ce sera la seule, d'accord? Dis pas la première comme s'il y en aura une seconde, d'accord? Et pauvre Fliss. C'est ce que vous vouliez? Ou faites-vous preuve de négligence? Avez-vous compris ce qu'il se passe? Comment l'arrêter? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider. Avec un petit indice. Vas-y. Pas de spoil. J'ai besoin d'aide. Oh, j'ai besoin d'aide. Moi, c'est bon. Hein. Voyons voir. Comment tourner ça? Certaines des puissances en jeu sont un peu plus... scientifiques. Voire, irais-je jusqu'à dire... politiques, vous voyez? Moins... surnaturelles. Quoi? Seriez-vous en train de comprendre quelque chose? Non, au contraire, tu viens de me perdre. Que pour chaque objet et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Alors, n'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles? Allez, retournez-y. Non, par contre, on est d'accord. Moi, pour moi, c'était vraiment un truc fantomatique, du style, il y a des cercueils, il y a un produit chimique qui est sorti, le fameux truc terre à terre, j'en ai pensé, qui a contaminé des gens. Alors, c'est peut-être un truc qui énerve les gens, genre qui fait qu'ils voient des choses, et du coup, ils se tapent entre eux. Bah, vous voyez, en gros, ils modifient la réalité pour que les personnes s'entretuent. C'est peut-être ça la version réelle, tu vois, genre. À plus tard. Pour qu'ils deviennent folles, les personnes. C'est la, je pense, l'explication la plus logique. Je vois pas. Bah, si on doit trouver un truc logique, parce qu'il parle d'un truc logique. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de pas perdre les pédales, d'accord?
Alex était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex. C'était un cauchemar. Julia, je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Tout ça ne peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Ça peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui est bien réel ? Crainte, confusion... Où est l'or comme... C'est un vaisseau fantôme. Oui, bah... parce que... Je débloque ou on est sur un vaisseau fantôme ? Genre, les vaisseaux fantômes existent, c'en est un, et on est coincé dessus, et putain, on est carrément dans la merde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Où est l'équipage ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Je vois pas, alors. J'ai vu la date 1947 sur le journal. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. J'aime pas ça du tout. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Pourquoi où est l'or ? Qu'est-ce qui est arrivé aux membres de l'équipage ? Où ils sont tous passés ? Cet endroit ressemble plus à un mausolée qu'à un navire. Alors ils viennent d'où tous ces cadavres ? Au moins on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. Je crois qu'il est temps de prendre une décision. De penser à un plan. Le dieu Kovmilan. Ce serait pas une mauvaise idée de remonter dessus. Fliss dit qu'il nous faut la tête d'allumage. Minute. Doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore ? La vision qu'on vient d'avoir. On a vu un hélico se poser. Ça se trouve, on l'aura à partir des... Faut qu'on trouve comment y arriver. Vas-y. En plus, il y a un petit truc rouge qui clignote. Au... D'où ça marche encore, le petit truc rouge qui clignote là en haut ? Comment il marche ? Quelle électricité ? Quelle magie ? Tout à mon avis, elle n'avait pas qu'il n'y avait peut-être pas des trucs... Ah. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Oui, bon, ça c'est évident. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément foutus. Merci, c'est gentil, Brad. Tu nous rassures. Bon, moi j'aime bien ici. Genre, ça me rassure. Genre, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas pouvoir avoir de screamer. Ils vont en avoir un, je le sens. Mais, je sais pas, je me sens en sécurité à l'extérieur. Tu vois, t'es à l'extérieur. S'il y a vraiment un problème de danger imminent de mort, tu sautes à gauche. Non, t'as de l'espace, tu vois. Ça, c'est bien, ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de couloirs qui sont cool. Super fins. Dommage qu'ils soient troués comme du gruyère. Ouais, c'est con. Bon, après, dis-moi comment t'aurais pu porter ce truc-là, ça a l'air d'être full métallique. J'aime pas ces changements de caméra. On peut monter ? Pas encore. Je m'en occupe. Oh bah voilà, il y a un Non, je croyais que c'était un escalier. Ah, attends. Ça devait l'être. Hé hey, j'ai rien contre un petit coup de main. Je pense qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Est-ce que tu penses bien ? Je vais t'aider. On reste pas séparés longtemps. Appel monte. Et vite fait, Brad. Ok. J'ai l'impression qu'on est repassé au niveau de la fille. Je sais toujours pas ton nom. Comment tu t'appelles ? Ah non. Non, d'accord, je suis toujours. Ça fait. Et que lui, c'est Alex, c'est Brad. Fils est mort. Il y a. Je sais plus. Comment elle s'appelle ? Je savais, mais je sais plus. J'ai un petit problème avec les prénoms. Bon, là, par contre, je suis un peu moins sérieux déjà. Bah, toujours un peu. Parce qu'on a quand même une vision assez globale. Mais là, par exemple, là, c'est angoisse. Là, c'est très angoissant de voir la vue intérieure. Oh.
Oh putain, bah de toute façon il faut bien qu'on rentre à un moment donné. Hein. Priez pour... Attends, où est Brad? Nanana, Brad. Brad ou... Il fait nuit chez moi, ça me fait peur. Je comprends bien pourquoi je fais ça chaque jour. Brad ou... Brad. Reviens en arrière. Mais il est où ce... Oh, allez, on y va, mais il intéresse là, le coin. Ah, bon, bah, comme ça, je crois par qu'on ici. Peut rentrer. Comment ça, par ici, n'y arrive pas. Il y a un chemin par là. Ah, d'accord, ah oui. Ça aurait été con que ça s'écrase sur quelqu'un. Bon. Derrière, ça va flippant. Et bon, ça nous dit d'aller un peu par là. Ah! Sympathique. S'il y a une radio, ça doit être sûrement ici. Hein. Yes, j'ai bien fait de fouiller. Allez, dis-moi. Et c'est suicidé, je reconnais. Non mais, d'accord. Et c'est pas un de nous. C'est un des méchants, je suis bien fait gaffe. Allez, gauche, je vais aller voir le tableau là. Qu'est-ce qu'il nous dit le tableau? Ah, je pense que ça va être l'itinéraire. Comment il comptait atteindre San Francisco en suivant cette route? On a l'impression qu'il voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, sur l'océan. Ouais, c'est ça qui... Attends. C'est-à-dire que c'était pour aller de la Chine aux États-Unis. Planète route... Attends, place... Plaret... Oh. Déjà, la route de base, regardez, il y a des trucs, mais là... Actuelle route... pourquoi il y avait des points de partout là? C'est grave bizarre. C'est bizarre. Bon. Vivant et vivant. Bienvenue à la personne qui est arrivée. Ça, ça fait super longtemps que la personne est arrivée, mais c'est pas grave. Je préfère dire. Ok. Oui, excusez-moi. Alors, cette feuille a l'air très clairement bien vide. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils n'ont pas pu trouver leur position. Forte tempête, trajectoire déviée, inondation de la cale de signaler, éclair 1. C'est quoi le dernier? Épaisseur, couverture nuageuse, localisation possible. Ouais, c'était de la merde quoi. Avant que ce soit la merde, c'était déjà la merde. Non, là il n'y a rien. Alors je pourrais aller par là, mais là-bas il y avait un autre. Je continue par là. Allez. Ça dépend. Si je vois que c'est juste... Ah. La radio. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. 2h01. Émission de l'appel de détresse. Contact radio intermittent. Tentative de SOS en morse. Nombreux membres d'équipage morts. Radio-opération. Regardez. La musique s'emballe. J'aime pas ça. Oh putain, j'hallucine là. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc? Bien, y'a qu'un moyen de le savoir. Je vais la tester. Ah, ah, ça fonctionne. On demande de l'aide. Hé hey, hé hey, est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Oh merde! Ils répondent. La panique, c'est une urgence. Voilà nos coordonnées. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives... 12 degrés, 30 minutes sud, 151 degrés, 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Répondeur
Voilà, c'est là où ça va fonctionner. C'est urgent, on est sur un cargo. On est sur un cargo abandonné, énorme et vieux. Allô ? Allô ? Quelqu'un me reçoit ? Hé, hey, répondez-nous ! Oh, putain. J'espère que j'ai fait les bons choix. Pour moi, c'est bien parce que j'ai donné les coordonnées. Ça sert à rien de dire que c'était une urgence. Il faut donner des éléments visuels et des trucs. J'espère que j'ai pas envie de crever de tout s'y crever. On trouvera peut-être un truc en bas pour nous aider à rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Après, faut pas oublier qu'il y a le petit frère de l'autre là. Qui est parti dans le bateau. Il sait même pas l'existence de ce gros bateau là. Et il y a la possibilité qu'il essaie de rejoindre la côte. S'il a essayé de rejoindre la côte, il pourra peut-être nous retrouver parce qu'il sait qu'il y a un potentiel de chance de nous retrouver dans ces coordonnées là. On croise les doigts. Eh hey, petit frère. Quoi de neuf? Je me disais que tu méritais une promotion. Range un médium, t'en penses quoi? Mais de quoi tu parles? T'as pris la barre, frangin. Tu t'es carrément mis en première ligne. Tu mélanges les métaphores. Autant mettre le paquet tant que j'y suis. Je suis impressionné. Sérieusement. Alors qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas, vas-y, j'y vais. Je m'en charge. Je veux pas te perdre sur ce sale rafio. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non ! C'est moi qui y vais. C'est bon, affaire classée. La dernière fois que j'ai fait le choix, j'y vais, et quelqu'un est mort. Ok. Deux fois de suite. Oh putain, ça a changé quelque chose. S'il vous plaît, que ça a changé du bon sens. Mais dis pas que je viens de les perdre les deux. Si j'ai perdu les deux, je fais une crise. Putain de merde, j'ai pas perdu deux, c'est déjà ça. Oh, mais elle est coupée, elle est blessée. Ouais, mais seul. Oui, mais lui, il est seul en haut, ça change rien, seul en bas ou seul en haut. Est-ce que tout va bien en bas? Ça va. Chut. Brusquerie. Ça va. Je vais bien. Vous voyez un truc? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. J'attends près de la radio. Ouais, on va dire que lui, il a l'air d'être ingénieur, tu vois, genre il a l'air de bien se débrouiller. On va dire que c'est peut-être mieux que ce soit lui qui reste en haut. Ou ce sera peut-être lui qui a le plus de capacité de redémarrer un générateur, tu me diras aussi. Hey. Oh. Comme par hasard, comme il savait qu'il y avait une lampe en bas, lui. Après toi. Ok, c'est parti. On dirait les niveaux inférieurs du navire. Vas-y, par là. Allez, faut être rapide, efficace. Alors, compte rendu de la réunion entre scientifiques X, l'adjudant chef en présence du sergent 1, X d'avoir bien voulu. Bon, ça avait pas l'air de capital. Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie a fini au trou. Ça ne me dit toujours pas où ça va nous mener. Ah. Du coup, ouais, ça explique mieux, ok, c'est... T'as bien de la prison des femmes chéries, ouais, tu me bloques pas, toi. Oh. Bon, je pense que c'est pas non plus capital, mais vas-y, on prend tout ce qu'on voit. Et lundi, Arthur Millet, un jour de détention.
Entrée non autorisée, toujours de détention, vendredi 1er Louis Bran, ivre public. Ah, ivresse publique, bah, c'est ceux qu'on a incarnés au tout début, à mon avis, c'est eux. Et parce que, oui, non, je crois qu'on était, enfin, oh, je sais plus. Bon. Si on s'en sort, je passe le restant de mes jours dans un bain. Dans un bain. J'espère que t'as raison. Avec de l'eau. Moi, je me secrèterais totalement de l'eau. Allez, on passe par là. C'était les lits. Mauvais côté. Je regarde. Waouh! Putain! Il y a Mac qui croppé la patte, lui. Je le sens fort. Nom de patient, John Patterson, grade soldat, né à un engagement, histoire du cas, diagnostic, névrose modérée, incapacité ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produite pendant son service, condition existante avant son engagement, non. Conditions actuelles, bon pour service, durée future probable, temporaire, recommandation, il doit être surveillé et soumis à un contrôle médical dans une semaine. Ok, alors je sais pas, à mon avis, il y a un qui est un peu fou peut-être. Peut-être qu'il a peut-être déclenché tout ça, on sait pas. Oh. Oui. C'est peut-être le fils d'un membre d'équipage. Ouais, je sais c'est qui. Il s'est fait même buter par son fantôme. Le fils n'était sûrement pas mort à cette époque-là. Bon, à mon avis, là, il a peut-être 90 ans s'il a encore en vie. Mais, bon. Après, je sais pas c'était quelle date la guerre. Genre, c'est Chine. Guerre froide entre la Russie et les États-Unis. On va venir faire un voyage militaire entre la Chine et les États-Unis. C'était peut-être parce que les États-Unis voulaient passer par la Chine, mais bon, la Chine était plus un régime, a toujours été un régime communiste, non? Et du coup, il serait plus facilement allié à la Russie qu'aux États-Unis, qui elle en... Oh, je pars beaucoup trop dans la géopolitique. Oh mon dieu. En histoire et tout ça. Mon dieu. Mes cours d'histoire politique me hantent toujours. Allez, vas-y, c'est pas grave. Pas d'analyse là-dessus. Hein. On s'en fout, voyez, on va pas essayer de trouver quel. Viens voir ici. Le camp de ce bateau. Là! Regarde! C'est la salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? On va voir. Un générateur qui a pas marché depuis un bon bout de temps. Il y a plus d'échelle. Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends! Je me disais aussi qu'ici. Ça va? Ouais. Ça ira. Rejoins-moi. Ah oui, j'ai bien fait. Arrivons par là, ce que là. Comment vous avez fait pour remonter? Je sens pas. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment rien vu du tout? Oh putain de merde. Oh, j'étais pas prêt. Je savais qu'il y avait vraiment. Pardon? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Personne ne m'a attaqué. Ouais, je crois qu'on est tous en train de perdre la boule. Je crois que c'est la brume qui provoque ça. Pourquoi la brume nous rendrait fous? Peut-être qu'on l'a respiré et que ce truc nous fait perdre les pédales. Rien de tout ça n'est réel. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire, mais... C'est qu'une théorie. Bon sang. Ok, faut continuer. Bon, là, ça, on est d'accord sur le truc de la fumée qui nous rend fous. Ça, ok. Par contre, j'étais pas prêt. Je savais qu'il allait avoir une mer, je le sentais pas. Mais je me serais pas douté que c'était aussitôt. C'est pas ça, non. J'ai l'impression qu'on peut rien faire avec cette machine. Attendez. Je vais essayer d'un peu, vous savez, les plans là, un peu cachés comme ceux-là. Là. On va voir s'il y a des trucs. Ça serait passé quoi si à la place on était parti au Japon? La ferme. Ouais, bien fait, parce que. Franchement, c'est pas le moment d'essayer de dire ah, et si on aurait fait ça, ça se trouve, ça serait pas arrivé. Non. Non, frère. Chut.
Ouais, y a pas mal de tuyaux pétés, hein. Ça m'étonnerait que tu arriveras à allumer quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'on parle du générateur. Ah, attends, je pouvais faire quelque chose. Je l'ai trouvé. Oh yes, j'ai bien fait. Il fonctionne. Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Ouais, bah, j'ai envie de dire, on n'a pas d'autre choix. Hein. C'est parti. Ok, on peut retourner en haut. Va falloir trouver un autre passage. Ok, nickel, ça a changé. J'espère que c'est en positif. Bah, de toute façon, là, je vois pas que c'est pas tout en positif. Vous m'entendez ? S'il vous plaît ! Quelle est votre situation, à vous ? On est en danger, ok ? On est vraiment dans la merde et on a besoin d'aide maintenant. À vous ! Un bateau de sauvetage avance vers votre position, à vous. Qu'est-ce qui vient de changer ? J'ai fait aucun choix. J'ai fait aucun choix, comment ça se fait ? Ah, c'est des trucs passés qui ont dû... Est-ce qu'on peut remotiver ? Normalement, on sait pas que ça va... qu'il a fait des trucs, mais... Bon, on peut pas. Que ça a pas marché, mais vas-y. Bah si, ça a marché, parce que... Moi, c'est... Ah. Mate-moi ça. Le recycleur. Et comment ça se fait qu'il est là ? Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours ? Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre ? Ça nous fera perdre du temps. Laissez... Prendre. Non, on devrait le prendre. Certaines parties du bateau sont submergées. Voilà, t'as raison. Je préfère perdre du temps et à la limite, si vraiment il y a un truc grave, on le jette. Mais... C'est moi qui vais te tuer ! C'est moi seulement où est ce putain d'or ? T'as perdu la tête ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Non. Je t'en prie. Non. Ah. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ah, ils ont pété un câble. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Agacé, le monsieur. Écoute. Écoute-moi. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Non. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Et si t'entends, tu me diras, ça fait un méchant de moi. Ok, il y a le truc qui permet de démarrer le bateau. C'est, on a l'impression que c'est son QG maintenant. Ah, il s'en rend compte. Ah, il est en plein dans la fumée. Il est vraiment fou. Non, il va aller voir. Non, mais enlevez vos têtes, enlevez vos sales têtes. Merde. D'où ? D'où il nous voit pas ? D'où il nous voit pas ? Non, c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfants. D'où il nous a pas vu ? D'où il nous a pas vu, frère ? Dans quel monde ? Alors lui, il a pas les yeux en face du trou, non mais... des trous. Non mais... Bon, le fusible. Là, le fusible, tout de suite. Pourquoi on prend pas le fusible ? Il l'a pris ou quoi ? Non, il est là. C'est pas vrai. Sacré putain de merde. Il est devenu complètement cinglé. Mais ça, j'avais remarqué. On s'en fout, on va regarder. Internal. Ok, on s'en fout. Merde, il arrive. Putain, mais. Inspecter, courir. Oh putain, merde, on court. Oh oui, tu l'as pris, ça c'est bien, intelligent. Oui, parce qu'on sera peut-être resté, on aura peut-être pu avoir le. Il faut qu'il y en a qui viennent nous secourir. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur ce qu'il y en a qui vont nous secourir. On se base sur eux et on se base pas sur la possibilité de se sauver avec le bateau. Oh non, me dis pas. La peine de vous cacher.
Sale petite merde. Non mais deux secondes, j'ai juste une... je suis vraiment énervant, je sais. Mais me dites pas quand même que le truc de respirateur, comme c'est jaune fluo et qu'ils l'ont mal mis sur le côté, c'est comme ça qu'ils viennent nous voir. C'est ça, c'est horrible. Parce que j'aurais pas cru qu'il allait nous... Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? Oh putain, encore un truc de silence. Si je vous laisse pas tout l'or... Non, quoi? Quoi? Pourquoi? J'ai cru cliquer au bon moment. Oh non, j'ai perdu le respirateur. Il va peut-être pouvoir rentrer ce con. Mais... Allez, dépêche-toi. Bah oui. Et ta meuf, merde. C'est bon, tu crois? Dis-moi qu'on craint plus rien. C'est bon. Non, il y a pas de c'est bon. Voilà, c'est bon. Il a une massue en plus, alors frère, c'est bon, on y va. Oh mon dieu, il n'y a plus de respirateur, fais chier. Okay. Oh, merde. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Tournez-vous. Personne s'amuse à se transformer. Ok, la dernière fois qu'on a vu ce mec avec un flingue, il s'est suicidé. Ok, c'est bon. Personne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Lentement. Non, non. Non, pas comme ça. J'ai dit, personne change. Je t'en prie, on n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié. Désolé, mais si vous respirez, alors vous n'avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Ah, ça recommence. Tout ça en temps transformé. Quoi? Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention. Restez loin de la brume. Hé, y a pas de brume, là. Respirez pas. Faites gaffe à la brume. Une curiosité, c'est quoi cette brume? Il n'y a pas de brume. Mais... Attends, c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle... C'est... Elle ramène à la vie des choses qui ne devraient pas être vivantes. Elle est entrée. Elle est avec nous, là. S'il te plaît, calme-toi. Stop. Stop. Elle est dans l'un de nous, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez! Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré! Pour une personne qui veut vivre. Je peux le sentir! Inquiétude, j'ai vu un truc dans cette pièce. Et oh, vas-y! Ok. Écoute, effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard, une sorte de brume, peut-être. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré. Oh non. On a retourné notre souffle. On a retenu notre souffle. Pas facile à éviter. Non, on a tous retenu notre souffle. On n'a pas respiré la brume. Je pense qu'il va nous buter si on... Ah, vraiment. Oh non, j'ai pas... Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire? On est ici depuis des heures. Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps. Et là, vous respirez pas. Oh non. C'est la brume. Elle est entrée en moi, c'est ça? Oh oh. La dernière fois qu'on a vu cette scène, il s'est tué. Il va se tuer. Elle est en train de se répandre partout. Elle me transforme. À l'intérieur. Prendre arme, distrait. Non, vieux, je suis sûr que la brume t'a pas contaminé. Arrêtez! Arrêtez de me mentir! Merde! Et j'aurais dû prendre l'arme, c'est ça? Vous mentez tous! Je l'ai vu qu'il s'est suicidé avec l'arme! C'est bon! Oh non! Je croyais que prendre l'arbre, ça l'aurait empêché. Ok. Ah, oh, je croyais que j'ai fait le bon choix. Oh, merde. Bon,
je me rassure qu'il est mort, mais juste parce que c'était un méchant et que moi je juge que c'est mes personnes qui survivent. Que prendre l'arme aurait risqué de tuer un ou deux personnes. Il y a encore des balles ? Il n'y a plus de balles. Bon. Sinon tu l'auras pas, je pense. Bon, on y va ? On se casse. Ok, une sauvegarde. Je pense que je vais arrêter là, les gens. Je vais peut-être lancer un live sur un autre truc, mais là je pense que je vais. Ah bah, peut-être pas au final. Parce que je voulais arrêter au moment où il n'y a plus d'action, mais. Je crois qu'il y a encore d'action. Ouais, super, c'est carrément génial. Oh putain, on n'a plus le respirateur. Et il y a un truc, un basson d'eau en dessous. On n'a plus qu'à se noyer dans des flaques d'eau maintenant. Nickel. On n'y va pas. Je refuse d'y aller. Mais vous le saurez dans le prochain épisode si je vais. Alors, oh non. Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Fascinant. Fascinant de quoi ? Allez les gars, vous êtes où ? Hé ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est que du scénario depuis tout à l'heure ? Allez, faites qu'ils aillent bien, faites qu'ils aillent bien. Non, mais j'ai peur que ce soit pas eux. Il faut que j'aille les aider. Non. 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 Ok. On va s'arrêter là. Et on va continuer la prochaine fois ce petit live. Donc vous pouvez retrouver toutes les rediffs sur NeoRev. Parce que des fois, bah, ils se suppriment au bout d'un moment. Parce que j'ai pas le truc qui me permet de les garder indéfiniment. Du coup, bah, je les remets tous en rediff, en VOD. Directement en VOD. Je veux dire qu'en complet sur YouTube, sur mon compte NeoRev, c'est exactement la même chose, écrit pareil que sur Twitch. La différence, c'est juste que sur le N et le R, il y a une majuscule. C'est tout. Voilà, vous pouvez retrouver ça là. Et bah, je vous dis à la prochaine. Et à plus. Salut. Ah, attendez, je dis ça et je n'ai même pas préparé de couper le live. Bon, en tout cas, bye bye.